Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Live. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, activez la petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Mouah, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de décoration de Noël. Je vais décorer mon salon et ma salle à manger. Comme je vous avais promis, donc on a fini le sapin et là on entame la décoration de Noël dans le salon et dans ma salle à manger. Et en fait pour ma salle à manger, j'ai complètement changé d'avis. Je suis partie plutôt sur l'argenté au lieu de doré que j'avais fait auparavant. Donc j'ai trouvé des choses qui m'ont plu, enfin des articles des décorations en argenté qui m'ont beaucoup plu. Alors je me suis dit pourquoi pas, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors j'ai complètement changé, je vais vous la présenter tout à l'heure. Et bah c'est clair que je ne vais pas la garder jusqu'à Noël, hein, c'est juste pour vous la présenter, pour vous donner déjà les idées. Donc voilà, j'arrête de blablater, on va aller faire cette décoration ensemble, c'est parti! You're breaking down my walls again.
Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. Voilà, voilà les amis, voilà le résultat final. J'ai été très contente et impatiente de faire cette décoration. Et là, je suis vraiment contente du rendu. C'est juste trop beau, magnifique. Et je vais rapidement vous présenter certains articles parce qu'en fait, la plupart qui sont là, vous les avez déjà vus dans mon précédent haul. Et je vais commencer par les coussins. Donc les coussins qui sont ici, les deux gris que vous voyez, ils viennent de chez H&M Home. Je les avais achetés aussi à Londres, mais je les avais oubliés de les mettre dans le hall. Et les bandes de strass que vous voyez, c'est moi qui les ai rajoutées, c'est un DIY. Donc j'avais fait 4 coussins en tout. Je trouve ça vraiment magnifique. Et les deux autres blancs aussi, donc celui-ci et celui qui est dans le panier là-bas, c'est aussi des DIY que j'avais fait. Et c'est juste des strass
que j'ai collé en fait avec le pistolet à colle. Et le rendu est vraiment magnifique. Je vous avais dit que j'avais commandé un fauteuil. Enfin, il est là. Ça fait un peu plus de un mois qu'il est là. Donc voilà, je m'enjoye avec ça. Je trouve ça vraiment joli. Et c'est vraiment assorti avec les canapés. Donc c'est vraiment pas mal. Et après, je pense aussi changer mon tapis. Donc là, il est assez usé. Donc je pense dans les prochains jours, ça serait autour du tapis. Donc voilà. Et ensuite, on arrive côté salle à manger. Donc voilà comment je vais faire ma table pour Noël. J'avais dit que j'allais faire en doré, mais entre-temps, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé des articles en argenté, alors ça m'a beaucoup plu. Et j'ai opté pour l'argenté cette année. Voilà, voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, hein, à me lâcher des pouces bleus pour m'encourager comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et je profite aussi pour vous souhaiter bonne fête, joyeux Noël. Amusez-vous bien, profitez de vos proches, soyez en famille, c'est le plus important. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!